Diagnostic en mettant dans la colonne euh, la, la, la colonne la plus à droite avec des euh, encadrés rouges montre que les vaches sont même classées en C comme saines, en, euh, en D comme douteuse et I comme infectées. Donc on sait déjà à quel niveau on se situe et comment on va pouvoir euh, réagir. Je voudrais insister pour dire. Attention, ne prenez pas ces résultats-là à la légère ou ne mettez pas des variations sur le compte de la machine qui les fait. Toute variation, c'est-à-dire toute vache qui passe d'un taux de cellules de, de 200 000 par exemple à 600 000, vous donne une indication. Euh, même si 600 000, ce n'est pas très élevé, c'est le début, c'est la mise en place de notre pathogène, parce qu'avec ce pathogène-là, les taux cellulaires montent régulièrement, insensiblement, mais si vous intervenez lorsque la vache est à 600 000, vous réussirez dans 100 des cas. Si vous intervenez quand elle aura un million, vous avez quand même beaucoup moins de chances de réussir. Donc, euh, ne négligez pas ces indications qui sont données chaque mois et qui vous montrent les variations des taux cellulaires. Je vous montre là dans le tableau euh, comment se répartissent les cellules dans le lait. Lorsqu'on a affaire à une vache saine, c'est-à-dire avec un taux cellulaire en dessous de 300 000, quelquefois même en dessous de 50 000, on a à peu près une égalité de toutes les euh, catégories de cellules, M comme macrophages, PNN comme polynucléaires neutrophiles, ce sont les cellules de défense, L comme lymphocytes, qui sont l'immunité à anticorps, et eux, comme cellules épithéliales, c'est-à-dire des cellules de la mamelle. On a à peu près une égalité, en dessous de 20 pour chacune des catégories, en sachant que les cellules épithéliales peuvent quelquefois monter brutalement. En particulier, c'est le cas en été, lorsqu'on a affaire à de la canicule, et qu'il y a des morts cellulaires par stress oxydant au niveau de la mamelle. Dans les mammites aiguës, et dans certaines catégories de mammites subcliniques, lorsque la dominante est une dominante de contagion et de pathogènes qui sont à la manœuvre, on a une dominante des polynucléaires neutrophiles, voyez, qui peuvent monter jusqu'à 75 de l'effectif total des euh, cellules de défense. Et puis, troisième catégorie, troisième cas, les mammites subcliniques, où là on voit qu'on fait à peu près jeu égal entre les macrophages et les polynucléaires neutrophiles, avec souvent un avantage aux macrophages, qui indique qu'on se situe dans la deuxième phase de défense de la mamelle et que euh, on est bien entré dans un processus qui est chronique et non pas dans un processus qui est aigu. Voilà, je vous l'ai mis dans le tableau suivant. La signification cellule épithéliale signifie des cellules Constitutives de la mamelle, ce sont les cellules sécrétrices qui peuvent mourir parce qu'il y a eu libération de radicaux libres de la part des cellules de défense. Donc, c'est un peu les dégâts collatéraux. Les polynucléaires neutrophiles, c'est la première ligne de défense. Ce sont eux qui arrivent les premiers. Et en règle générale, ils sont fortement présents dans les trois premiers jours des mammites aigus. Les macrophages, c'est la deuxième ligne de défense. On commence à s'organiser. Ils sont moins nombreux et ils sont plutôt dans le temps J5-J10 de la mammite aiguë, ou bien dans le temps des mammites subcliniques, c'est-à-dire des vaches à cellules. Les lymphocytes restent toujours constants, en dessous de 15%, et ils sont simplement les témoins du travail qui est fait par l'immunité adaptative. Et enfin, quelquefois, on note des éosinophiles qui sont les témoins d'un parasitisme. Alors, euh, normalement, leur taux cellulaire est en, en, inférieur à 3, et on a souvent des cas où leur taux cellulaire se situe euh, en moyenne jusqu'à 10%, qui indique qu'il y a par ailleurs un problème parasitaire qu'il faudra élucider. Alors, on a beaucoup pratiqué euh, ce que l'on appelle la cytologie du lait c'est-à-dire chercher à déterminer la nature des problématiques d'élevage, savoir s'il s'agit de phénomènes qui sont infectieux ou, comme, ou de phénomènes autres. Et euh, momentanément, nous sommes un peu en panne pour des raisons euh, de personnel au labo euh, d'analyse. Nous allons reprendre ces analyses-là et je vais vous donner quelques exemples pour vous montrer euh, qu'elles sont particulièrement intéressantes. Ici, vous avez sous les yeux l'exemple euh, d'un troupeau avec des taux cellulaires élevés. Et où on a visiblement des polynucléaires neutrophiles qui sont très dominants, 55%, ce qui indique que l'on a forcément un phénomène euh, infectieux qui circule dans le troupeau, et qu'il y a donc des vaches réservoirs, que ces vaches réservoirs, il faut les repérer sur le compte rendu euh, mensuel ou bimensuel du contrôle laitier pour pouvoir... Euh, euh, Prendre une décision vis-à-vis d'elles, soit les réformer, soit peut-être même les passer comme des mères euh, nourrices qui, euh, avec les veaux, vont permettre toujours de profiter de leur production laitière, sans toutefois euh, en rentrer dans le pool euh, général de lait qui est dans le tank. Autre exemple ici. Et particulièrement parlant, c'est celui où on a cette fois-ci des cellules épithéliales qui sont dominantes, 49 et qui signifie qu'il y a une agression qui fait mourir les cellules de la mamelle. Et bien, tout simplement, c'était un résultat qui nous a beaucoup étonnés. C'était le dérèglement d'un robot de traite où on avait un problème au niveau de la de la pression au niveau du circuit, et donc il aboutit comme ça à, à des traumatismes au niveau de la mamelle. Vous avez ici l'exemple d'un troupeau au vin, qui est euh, au vin laitier bien sûr, euh, qui est ce qu'on retrouve le plus généralement, c'est-à-dire dans 80% des cas, une, un phénomène microbien qui se transmet au cours de la traite et qui fait que euh, là, on a souvent euh, beaucoup de difficultés pour remettre de l'ordre parce que les foyers infectieux sont très importants, on peut aller jusqu'à 40% des brebis qui sont contaminées. Donc là, c'est un petit résumé rapide pour vous dire, chez les bovins laits, en, en moyenne, on a à peu près euh, 20 des cas où il ne s'agit pas d'un phénomène infectieux, mais plutôt d'un phénomène lié soit à la traite, soit au climat. Et dans tous les autres cas, on a des taux de polynucléaire très élevés, qui signifie qu'il y a des vaches réservoirs et que la contamination se fait au moment de la traite. Chez les ovins laits, c'est plutôt, euh, presque systématiquement, le cas infectieux que l'on détecte. Alors, on va voir maintenant qu'on a vu un peu ce petit rappel sur euh, la signification de ces euh, cellules dans le lait, euh, quelles sont euh, les euh, raisons euh, pour lesquelles on va les voir circuler et où sont ces, ces réserves de germes. Vous avez dans ce premier schéma euh, la localisation des euh, germes sur la vache. Et en particulier donc des staphylocoques dorés. Vous avez en priorité euh, la mamelle qui est un réservoir, soit à l'extérieur parce qu'il y a des petites blessures sur les trayons qui sont des abris pour le staphylocoque doré et on reviendra sur ce sujet-là, euh, soit à l'intérieur de la mamelle puisque la vache par exemple a un million de cellules et qu'elle est un réservoir de staphylocoque. Mais on a également d'autres sites sur la vache. En particulier, je citerai le chignon, c'est-à-dire l'espace entre les cornes et l'espace euh, postérieur euh, à la base de la queue, qui sont des endroits où le métabolisme cutané est un peu particulier, avec beaucoup de sébum sécrété et justement des staphylocoques qui peuvent se multiplier à tout va. On a également la ligne inférieure du corps qui est liée tout simplement ici au couchage, en particulier dans des euh, couchages, dans des logettes où le tapis caoutchouc n'est pas de bonne qualité. Et puis j'ai signalé autour du nez, autour des yeux, liés à des zones très humides du fait des phénomènes d'acidose chronique dans des régimes alimentaires mal équilibrés. Pour euh, donner, faire une fin à cette partie, euh, je rappellerai que l'épiderme des trayons doit être parfaitement lisse et ne pas abriter de... Staphylocoque dans des crevasses ou dans des petites blessures. Donc, on a pour ce faire euh, travaillé sur un produit de trempage post-traite qui est seulement filmogène, et c'est ça qui est important pour obturer le traiton après la traite, mais surtout qui a des qualités cosmétiques particulières qui rend l'épiderme du traiton extrêmement lisse, donc qui met fin à ces réservoirs cutanés de Staphylocoque. Et puis, vous signalez également que dans les cas euh, beaucoup plus compliqués où on peut avoir euh, des euh, lésions euh, dues à un virus, par exemple, dans le cas de l'ectima chez les ovins, compliqué derrière par du staphylocoque, on dispose d'une pommade euh, qui est bactéricide et de fait cicatrisante, qui permet très vite de réduire euh, l'existence de ces lésions cutanées. Et c'est important ne jamais négliger les lésions cutanées parce qu'elles sont des réservoirs de staphylocoque et donc des sources de contamination au niveau du troupeau. Autre également euh, document intéressant, vous regardez sur la diapositive le tableau qui est en haut à droite et où on voit apparaître des éléments qui sont dans des cases que j'ai surlignées en rouge qui nous permettent de voir des points très importants dans un troupeau sain le pourcentage des vaches infectées, c'est-à-dire qui ont plus de 800 000 cellules par millilitre, doit être inférieur à 3, voire au maximum 5 5 c'est déjà euh, une limite un peu euh, critique. Et là, dans le cas de l'élevage qui est là, on est à 21 Ça signifie qu'on a énormément de vaches qui sont des réservoirs de germes. Tout simplement, il faut là euh, s'interroger tout le temps pour savoir à quel niveau on se situe. Si on est en dessous de 2 tout va bien. Si on est entre 2 et 5 ça signifie que les traitements des mammites aigus sont inefficaces. Et qu'à chaque fois qu'on intervient, on crée tout simplement... Un, euh, un foyer qui va être un foyer qui va être ensuite le, euh, un, un réservoir de contamination. L'autre point à regarder, ce sont le pourcentage des vaches saines, euh, c'est-à-dire des vaches en dessous de 300 000 cellules. La norme veut que ce, euh, ces vaches-là représentent au minimum 85 de l'effectif. Ici, dans ce cadre-là, on est à 55 Donc, vous voyez, très loin du compte. Là, on était dans un troupeau particulièrement contaminé où il était très difficile de retrouver un état normal. Euh, pardon. J'ai oublié au passage de vous donner euh, une petite vision chez la chèvre qui est très proche de celle de la brebis. Euh, en statut individuel chez la vache, on considère qu'une vache est saine quand elle est en dessous de 300 000 cellules par millilitre. Chez la chèvre, c'est 750 000. Entre 300 000 et 800 000 chez la vache, on est avec une vache euh, dite euh, douteuse. Et c'est le cas pour la chèvre entre 750 000 et 2 millions. Et chez la vache, au-delà de 1 million ou même au-delà simplement de 800 000, on considère qu'elle est infectée et qu'elle ne peut être récupérée. C'est au-delà de 2 millions qu'on considère que les choses ne peuvent plus être rattrapées chez les petits ruminants. Alors, par rapport au niveau de la traite et de la contamination, on va aborder un certain nombre de points qui sont éliminés ici, pardon, qui sont mentionnés ici et que je vais aborder maintenant au fur et à mesure. D'abord le réglage de la machine à traire et d'une manière très paradoxale, ce réglage-là a été validé, précisé. On sait que par exemple chez les bovins on a 60 cycles par minute, on en a 120 chez les petits ruminants et ils sont toujours, quel que soit le type d'animaux que l'on traite, décomposés en quatre phases. La phase A qui est la phase de mise sous vide. La phase B, qui est le plateau de durée du vide, la phase C, on enlève le vide, et la phase D, on ne fait rien, les phases C et D étant considérées comme les phases de massage, et les phases A et B comme les phases de succion. Eh bien, il faut absolument respecter un équilibre entre ces quatre phases, de telle sorte que A représente schématiquement 20% du temps, B 40%, C 15% et D 25%. Et ce que l'on voit très souvent... C'est que le contrôleur prend des initiatives comme ça, histoire de faciliter le travail à l'éleveur et fait une mise sous vide et un retrait de vide dans des phases qui sont très courtes. Au lieu d'être à 25 il met à 12 la première, et au lieu de 15 la phase C, il la met à 8 de telle sorte qu'il obtient un plateau de vide beaucoup plus long et une traite qui est beaucoup plus rapide. Sauf que les, les, les passages de sans vide à vide, sont très brutaux. Et malmène la mamelle, et on a des taux cellulaires qui montent tout simplement par mort des cellules, et quelquefois même par un terrain qui va faciliter la multiplication du pathogène. Donc, je le dis souvent sous forme d'une boutade méfiez-vous, euh, n'hésitez pas à contrôler le contrôleur, parce que je ne comprends pas. Et dans certaines régions, les contrôleurs sont parfaitement disciplinés et respectent la norme. Et puis, dans d'autres, on voit plein de fantaisies. Et je serais presque tenté de dire euh, dans une diagonale qui va de Brest à. à euh, à Nice, eh bien, on voit les choses se dégrader de plus en plus. Il y a de plus en plus de fantaisie, alors qu'on est très discipliné dans la partie nord-ouest de la France. Autre point à examiner, c'est tout simplement l'état des bouts du trayon. Vous avez un exemple où on voit en partie haute un trayon qui n'est pas mal mené avec un sphincter qui est en dépression. Et dans la dernière photo en bas à droite, un sphincter qui est en relief, qui signifie que tout simplement, on a affaire à un excès de vide de la machine qui va euh, malmener le sphincter, qui va même l'extérioriser. Le, On a même quelquefois une extériorisation totale du canal du trayon. C'est une vraie catastrophe. Donc, prenez la peine euh, une fois par mois de vérifier le bout des trayons. C'est un peu. Euh, euh, embêtant parce que ce n'est pas si évident que ça, euh, il faut se pencher ou il faut retourner les crayons pour les voir et la plupart du temps on ne fait pas ce contrôle-là qui pourtant est très significatif. Autre réglage euh, qu'on voit euh, moins maintenant mais qu'on a beaucoup connu il y a une vingtaine d'années, c'est que la machine à traire n'est pas avec une capacité euh, d'absorption du lait suffisante par rapport au potentiel des animaux. On a aujourd'hui des animaux avec un niveau de production très élevé. Une, un sphincter qui est euh, très fragile et qui va lâcher d'un seul coup une quantité importante de lait, ce qui fait que le bout du trayon va barboter dans le lait qui se trouve dans euh, la griffe de la machine à traire, et on a ce qu'on appelle une traite, une traite humide qui va favoriser le développement des staphylocoques euh, euh, sur le trayon, et qui va il peut même faire rentrer ces staphylocoques dans le trayon et donc contaminer la vache. Attention à la traite humide. Autre exemple, les euh, griffes qui se détachent. On a ce bruit caractéristique que tout le monde connaît. Et je voudrais simplement attirer votre attention pour vous dire attention, regardez bien, l'air qui rentre dans le manchon qui se détache rentre avec une vitesse de 320 km/h, ce qui est énorme. Il va venir buter dans le lait qui se trouve dans euh, les, euh, les tuyaux de la griffe à traire. Euh, le lait va remonter dans le euh, trayon qui se trouve en face. Et va pénétrer dans ce trayon-là avec une vitesse de 70 km/h. C'est-à-dire que vous avez un liquide qui est sous pression et qui, au passage, s'il y a des lésions au niveau du trayon, va emmener les staphylocoques qui se trouvent sur la peau à l'intérieur du crayon et donc contaminer la vache. Donc on a là un phénomène qui est un phénomène majeur de contamination. Attention aux griffes qui se décrochent. Et deuxième point, attention à l'état de la peau des crayons. Les deux combinés font qu'on a des contaminations systématiquement. Autre, autre point sur le nettoyage de la machine à traire, je vous ai mis des protocoles bien précis. Je veux juste vous rappeler que euh, les acides sont là pour éliminer les minéraux, et plus le pH de l'eau est élevé, c'est-à-dire à, à 7,5 par exemple, et plus il faudra euh, faire une intervention avec des solutions acides. Euh, si ce n'est pas le cas si on a une eau par exemple à 6,5, et eh demi bien deux fois par semaine c'est suffisant sinon il faudra passer un rythme d'une fois par semaine d'une fois par jour pardon les solutions alcaniques au, au but de décoller la matière organique eh bien euh, si tout est bien si on a par exemple un système de lavage avec euh, un phénomène de de bulles d'air dans les tuyaux qui est fait pour pousser le, le liquide dans les tuyaux, on aura un bon décapage et donc on pourra se contenter d'une solution alcaline deux fois par semaine par exemple. Tout ça est une question de caractéristiques de, du circuit de traite qu'il ne faut pas négliger. Alors, je vous ai tout à l'heure évoqué d'autres raisons que celles que je viens de voir. Je veux préciser par exemple sur le niveau de vide. En euh, ligne basse, le niveau de vide idéal, c'est 39 kPa. Et souvent, vous êtes à 40, voire 41. L'objectif est de descendre progressivement d'un demi-point tous les six mois, avec euh, comme limite le moment du décrochage des griffes. Euh, c'est le poids des griffes qui va vous, per va vous permettre de euh, descendre votre niveau de vide. Si les griffes sont légères, elles tiendront accrochées. À 39, rien ne bougera. Si elles sont lourdes, à partir de 40, elles commencent à se décrocher. Et je vous ai dit tout à l'heure euh, tout le mal que je pense de ces manchons qui se débranchent et qui font pénétrer le lait euh, à grande vitesse dans, des, euh, dans les trayons euh, opposés et qui risquent de contaminer. La qualité des manchons. On vous conseille de faire un changement euh, chaque année. Il est vrai que des manchons fissurés sont des abris euh, euh, qui permettent le développement du staphylocoque. Donc malheureusement, euh, c'est un changement qui est relativement cher, mais euh, auquel on ne peut pas échapper. La sollicitation de chaque poste de traite, ça c'est important. On a montré que euh, une vache contaminée va contaminer la euh, le poste de traite pour les cinq suivantes. Et donc, euh, si on a euh, une installation de traite qui est euh, sous-dimensionnée, on va solliciter les, les postes de traite très souvent. Alors, je vais vous donner un exemple simple. Imaginons qu'on a euh, un un établissement avec une 2 x 4 parce qu'on a 40 vaches. Et puis, rallonge de quotas ou nouvelles associées, on passe à 60 vaches. À ce moment-là, chaque poste va être sollicité presque entre 8 et 10 fois par traite. Et donc là, on est avec une installation de traite qui est complètement sous-dimensionnée et qu'il faudra faire évoluer pour aller vers une 2 x 5 ou 2 x 6. Également, une remarque qui est euh, systématique, la préparation de la vache et le moment où on la branche. Pour des raisons de temps, euh, en règle générale, les éleveurs euh, nettoient, préparent les trayons de toute une rangée et branchent ensuite systématiquement. En réalité, il peut y avoir recontamination de celle qui a été euh, préparée la première, qui sera branchée après que toutes les eaux de la rangée aient été préparées, normalement, on prépare la vache, on branche, on prépare, on branche. Vous voyez, Et ce qui complique un peu le jeu, quoi, mais très souvent, ça peut éviter des contaminations. La manière également de débrancher la vache, alors je crois que maintenant, ça ne se fait plus, mais des fois, on voyait des arrachages, il faut bien couper le vide avant de débrancher. L'usage abusif de l'eau en salle de traite. Et ça, c'est quelque chose auquel les éleveurs ne font pas toujours très attention. Ils ont envie de bien nettoyer les mamelles, donc ils, ont, ils utilisent des, des lavettes qui sont largement humides et euh, ils oublient qu'il euh, faut préparer le trayon pour le préparer à la traite en disant, on présente un trayon propre et sec. Et ça, c'est important. Le côté sec au moment de la traite est fondamental parce que le staphylocoque doré... Adore l'humidité et c'est dans ces conditions-là où il se multiplient le plus. Deux mots des pollutions électromagnétiques pour simplement indiquer que euh, ça existe. Je pense que les pollutions électromagnétiques au niveau de la salle de traite, il est rare qu'elles aient une influence sur la santé des mamelles, mais que par contre, le fait que l'éleveur soit dans une fosse de traite, avec des néons au-dessus de la tête pendant une heure ou une heure et demie, ça, ce n'est pas négligeable, et très souvent, les néons sont beaucoup trop bas, et l'éleveur le, le, euh, reçoit un champ électromagnétique qui est exagéré pendant un temps euh, qui se répète deux fois par jour, et je pense que euh, ça peut avoir des influences, en particulier sur la qualité de son sommeil. Enfin, dernier point, l'hygiène du trayeur. N'oubliez pas que vous devez, comme pour les trayons avoir des mains lisses, des mains douces, je préciserai et qu'il euh, ne faut pas euh, euh, hésiter, s'il y a un souci au niveau des mains, à porter des gants pour effectuer la traite. Autre raison qui sont, elles, non plus liées à la traite, mais aux conditions générales d'élevage, ce sont les maladies métaboliques, euh, l'acétose, l'acidose, qui vont provoquer une sorte d'endormissement du bout du traillon et qui va être favorable au passage des germes d'une vache à une autre. Le parasitisme, pourquoi bah, Tout simplement parce que quand on a un parasitisme euh, avancé, en particulier surtout hépatique, ce qui est heureusement de plus en plus rare, on a une baisse du, des performances du système immunitaire. L'eau non potable, alors attention à tous ceux qui disposent d'un système d'eau privée et qui euh, ne sont pas très... Euh, Regardant sur la qualité de l'eau, on a souvent des contaminations. C'est un peu la même chose d'ailleurs avec le système de l'eau du réseau, parce qu'on a très souvent, du fait de l'usage systématique du chlore pour potabiliser cette eau, du développement de pseudomonas. Et je peux vous garantir que le pseudomonas, c'est quand même pas un cadeau au niveau de la santé de la mamelle. Et enfin, globalement, et ça je me répète et je me répéterai toujours, pas assez d'oligo-éléments dans la ration, c'est un système immunitaire qui fonctionne mal. Donc, du coup, des vaches qui, lorsqu'elles seront contaminées avec du staphylocoque doré, n'auront qu'une euh, issue possible, c'est de se contaminer de plus en plus si leur système immunitaire ne fonctionne pas. À partir de là, on va proposer des protocoles qui permettront de. Euh, d'être plus efficace dans les cas de, de dérapage parce que en cours de lactation le, les antibiotiques sont pratiquement inefficaces sur ces vaches à infection chronique et on va donc essayer de solliciter le système immunitaire au moyen de trois protocoles que je vous présente ici un protocole qui fait un recours uniquement avec l'administration d'oligoéléments sous forme liquide un protocole individuel qui chez certains éleveurs peut présenter un intérêt parce que quand on n'a qu'une seule vache qui bouge, eh bien est-ce qu'on va mettre en route un protocole pour le troupeau Non. Et alors je vais vous expliquer comment on peut faire vache par vache une correction individuelle et puis un troisième protocole qui est celui sur lequel nous travaillons le plus actuellement, qui est la mise en place d'une première cure d'oligoéléments, suivie d'une deuxième cure de poudre, qui sont des stimulants de l'immunité pour parfaire euh, le nettoyage de la mamelle. Alors, on revient sur les outils, des fioles bovins que j'ai déjà dû vous présenter, mais sur lesquels je reviens parce que euh, méfiez-vous des solutions liquides d'oligoéléments, elles sont très souvent un déséquilibré, deux approximatives, et on a pris soin de vraiment aller chercher un effet particulier en combinant nos oligo avec des algues, de façon à avoir une synergie à la fois dans la vitesse d'absorption de nos oligo-éléments, deux, à leur transformation en chélate plus assimilable. Donc, euh, des fioles, c'est euh, le... L'outil indispensable, alors il existe en version petit ruminant de la même façon, que l'on utilisera dans les protocoles que je vais vous présenter, mais qu'on peut utiliser systématiquement chaque fois qu'on a une pathologie et qu'il faut booster le système immunitaire pour aller vers une évolution favorable. Deuxième outil que l'on va utiliser, qui s'appelle Défimam-poudre, c'est une forme un peu différente qui reprend. Euh, les oligoéléments précédemment, mais sur, à laquelle on a ajouté énormément de plantes qui ont deux visées, une visée de protection de la mamelle par leur effet antioxydant et une visée de stimulation, de recrutement des cellules de défense. Voilà, et puis j'ai un troisième produit qu'on va utiliser dans le protocole numéro 2 qui s'appelle Last, euh, qui est une, un complexe d'huile essentielle qu'on peut utiliser d'ailleurs euh, dans la mamite aiguë, qui a comme caractéristique de mobiliser, c'est aller à la recherche des cellules de défense, les, les, euh, les solliciter pour qu'elles envahissent l'ensemble du tissu mammaire pour aller dans justement ces tissus profonds où est logé le staphylocoque doré. Euh, Défi même, je fais peut-être un petit retour en arrière pour rappeler... En cas de mamite aiguë, on utilise d'abord des FIMAM first dans les 24 ou 48 premières heures parce que très souvent, la réaction inflammatoire a tendance à s'emballer. Il y a beaucoup de cellules de défense qui arrivent, qui font que l'édème va augmenter exagérément, qu'on va avoir des troubles circulatoires. Donc, des FIMAM first. Pour calmer le jeu, le temps que l'on recrute et que l'on fabrique des globules blancs de qualité, parce qu'on aura donné des fioles bovins en même temps, donc nouvelle génération. Et puis, lorsque les choses ne progressent pas bien, on va aller recruter, on va aller chercher des globules blancs parce qu'on en a pas suffisamment cette fois-ci, très en profondeur de la mamelle, et c'est défimam last qui est le deuxième temps de la mamite aiguë ou le temps de la mamite subclinique, donc de la vache à cellules. Alors, on vient expliciter les trois protocoles que je vous propose. Dans le premier protocole, on se limite tout simplement à l'administration de défioles bovins ou des fioles petits ruminants, à l'ensemble du troupeau. Vous avez ici relaté dans le détail le troupeau sur lequel je, me, je communique et qui est un troupeau avec un niveau de production correct, 7500 kg par lactation, et dans lequel on a noté la présence simultanée d'une bonne dizaine de vaches avec des taux cellulaires élevés. On a fait une administration de 100 ml par jour pendant une semaine, reprise un mois plus tard, et vous voyez sur le tableau suivant l'évolution des vaches qui avaient des taux cellulaires élevés. Et on voyait que systématiquement, on a divisé par 10 exactement les taux cellulaires. De 2 millions, on passe à 200 000, de 1 million 3 à 137 000, voyez ainsi de suite. Donc on a une réduction euh, très importante des taux cellulaires. On a eu systématiquement guérison de toutes les vaches qui étaient présentées. Et puis euh, on a euh, noté également que même sur les vaches saines, on avait cette même réduction des cellules. Alors c'est un exemple qui est très intéressant parce que il montre deux choses. C'est que d'abord on peut toujours faire mieux avec une vache qui est apparemment saine avec 90 000 cellules, elle sera également saine avec 9 000 ou 20 000 cellules parce que tout simplement on aura des cellules de défense de meilleure qualité du fait de l'apport en oligoéléments. Et le deuxième point que démontre cet exemple-là, c'est que l'insistance avec laquelle je vous rappelle tout le temps que le premier moyen de défense ce sont les cellules de défense, euh, tout simplement, et dans le système immunitaire, que c'est la partie la plus fondamentale. Ici, vous avez la démonstration qu'avec seulement des oligoéléments, on a pu venir à bout très vite de ces problèmes d'infection chronique de la mamelle. Donc, euh, c'est confirmation de nos hypothèses, c'est confirmation de ce qu'on vous raconte en permanence, et c'est le rôle des oligoéléments. Protocole numéro 2, euh, que je mets pas souvent en avant, mais sur lequel on a beaucoup travaillé qui est euh, lorsque certains éleveurs repèrent une vache, et je l'ai dit tout à l'heure, une vache qui passe de 200 000 à 800 000, n'imaginez pas que ce soit une fantaisie de la machine, c'est tout simplement un, 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 un clignotant qui s'allume et qui dit qu'il y a une infection qui est en train de s'installer. Eh bien, à ce moment-là, euh, comme c'est le tout début euh, et qu'il y a une vache, on prend le temps d'aller identifier le quartier euh, qui est responsable. Si votre vache passe de... 300 000 à 600 000 par exemple ce qui n'est pas un gros écart ça signifie qu'il y a un quartier qui est passé à 2 millions et que vous allez systématiquement pouvoir l'identifier avec le cmt donc ne prenez pas ça en disant c'est insurmontable, c'est très facile à démontrer. Et à ce moment-là, qu'est-ce que l'on va faire Eh bien, on va faire un traitement pendant une semaine avec l'administration simultanée des oligoléments des fioles, 100 ml par jour euh, pour euh, la semaine complète. Et puis, on va faire des fimamlast, un massage matin et soir sur le quartier identifié, tout ça pendant une semaine. Et si les choses ne sont pas suffisantes, ne sont pas normalement, euh, si vous êtes dans le, le premier mouvement de réaction de la vache, vous avez 80 ou 100 de chances de la ramener à un taux normal. Et si, euh, par hasard, les choses étaient installées déjà plus durablement, on peut reprendre trois semaines plus tard le même protocole, c'est-à-dire en quatrième semaine, refaire des fioles et des fimamlastes. Euh, C'est quelque chose moi euh, lequel je tiens beaucoup parce qu'on a fait une démonstration à ce propos-là qui est une démonstration qui met en évidence le rôle réel des huiles essentielles qui sont contenues dans les préparations en faisant la chose suivante on a fait un comptage des germes pathogènes staphylocoque doré dominant euh, euh, au début c'est-à-dire quand la vache est montée par exemple à 800 000 cellules on voit qu'il y a à peu près 100 000 staphylocoque par millilitre de lait et on voit que systématiquement, quand on fait le travail, au bout de la première semaine, c'est-à-dire J-10 après le début, on n'a plus de germes. Il y a eu, un, chez toutes les vaches qui ont guéri, ce même délai-là. Il faut une dizaine de jours pour arriver à expulser totalement le pathogène. On a montré que les huiles essentielles que l'on met sur la mamelle, en faisant ce massage matin et soir, eh bien sont loin de pouvoir à elles seules tuer le germe parce qu'elles sont utilisées au centième de la dose qu'il faudrait administrer pour que euh, le germe soit tué. Donc c'est par un autre mécanisme, c'est tout simplement parce qu'on sollicite le système immunitaire de la vache et on a montré en regardant euh, jour après jour la répartition des euh, cellules dans le lait qu'au début, on avait, dans les cinq premiers jours de notre intervention, un pic des polynucléaires neutrophiles, c'est-à-dire des germes de défense. Du cinquième au huitième jour, les macrophages, ceux qui prennent le relais après la première vague de, de, des fantassins qui ont euh, attaqué les pathogènes, et qu'à euh, la fin, c'est-à-dire dix jours après le début, on a régression de tous les combattants, polynucléaires neutrophages et macrophages, et euh, neutrophiles, pardon, polynucléaires neutrophiles et macrophages. Il ne reste plus que les témoins du combat, c'est-à-dire des cellules épithéliales, c'est-à-dire des cellules de la mamelle qui sont expulsées parce qu'elles ont, en même temps qu'il y a eu libération des fameux radicaux libres oxygénés, et bien des cellules de la mamelle qui ont, elles aussi, reçu une dose qui les a fait mourir. Voilà, ça c'est le résumé fait avec des courbes. Protocole numéro 3, celui qu'on pratique aujourd'hui le plus souvent, qui est de d'abord savoir si ce protocole-là... Col là est bien indiqué. On a dit que jusqu'à maintenant, notre enquête montrait de, que dans 80 des cas, il était indiqué parce que c'est un phénomène qui est contagieux, qui est lié à un pathogène. Euh, je pense que cette cytologie avait quand même sa justification et qu'on va la reprendre très rapidement. Donc, la mise en place, première semaine, euh, oligoélément par voie buccale, 100 millilitres par jour et par vache. Si on est chez les petits ruminants, c'est des fioles PR, 30 ml par euh, brebis ou chèvre euh, par jour et par animal pendant une semaine. Euh, trois semaines plus tard, on applique seulement pour les animaux qui ont euh, un taux qui n'a pas bougé, cette fois-ci, euh, la forme poudre, des fimam poudre, 100 g par jour pour les bovins, 30 g par jour pour les ovins. Et en règle générale, on. Euh, n'arrête le protocole à ce niveau-là parce que les indications montrent qu'on a euh, à peu près réussi. S'il existe encore dans euh, certains cas des animaux dont le taux cellulaire n'a pas suffisamment baissé, on peut refaire, par exemple, trois semaines plus tard, le protocole avec des poudre, par exemple, sur les animaux qui sont récalcitrants. Mais d'une manière générale, on constate que même pendant la lactation, on peut très bien régler assez rapidement ce problème des euh, vaches à cellules. Donc, euh, n'hésitez pas, ne vous posez pas de questions en disant, je ne sais pas, est-ce que je dois commencer, à pas y aller, euh, le faire, pas le faire. Il faut euh, réagir vite soit par le protocole individuel, soit par le protocole collectif, quand les choses sont un peu trop avancées. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose, parce que vous allez y gagner au niveau de la production de lait, parce que toute vache qui a un taux cellulaire élevé, eh bien, réduit sa production de lait. Donc on est largement bénéficiaire à vouloir intervenir beaucoup plus tôt. Dans le dernier tableau qui figure là à la fin, vous avez réuni... Euh, à la fois pour les mamites aiguës et les mamites subcliniques, à quel moment vous devez utiliser tel ou tel produit, des fioles, euh, des mam euh, last ou euh, des films euh, euh, poudre. Donc, je, on vous a fait un tableau. Euh, ben, vous allez pouvoir vous faire le choix des protocoles que vous voulez faire. Euh, si c'est pour la mamite aiguë, je vous ai dit la dernière fois. Tenez compte de la phase, début, milieu ou fin de pathologie, et vous allez combiner tout ce que là. Il suffit simplement de regarder où se situent les croix. Et pour ce qui est des mammites subcliniques, vous choisissez entre le protocole 1, 2 ou 3, selon la façon dont vous êtes organisé, selon la façon dont vous voyez le problème. Et vous, avez, vous pouvez d'ailleurs remarquer que si vous êtes embarqué sur le protocole 1, et que vous voyez que vous n'avez pas beaucoup bougé, il est hyper facile de basculer sur le protocole 3 qui est tout simplement, je reviens à la charge avec des films à poudre euh, 3, euh, pardon, 15 jours après la première intervention. Voilà, j'en ai à peu près terminé. Euh, la prochaine fois, on en finira avec la santé de la mamelle en abordant tout ce qu'il faut à, euh, savoir et puis mettre en pratique pour ce qui est du tarissement et de la préparation de la mise bas, qui sont deux phases très critiques, très compliquées à gérer, et on en aura peut-être fini pour le moment avec tout ce qui concerne la santé d'un mamelle. Donc, s'il y a des questions, je veux bien volontiers répondre à ces questions-là. Oui, bonjour Gilles. Oui, bonjour. Alors, ça j'ai reconnu Frédéric. <laughs> oui, bon, merci, c'était super. Euh, j'ai pas de questions particulières. Par contre, j'ai peut-être un ou deux sujets euh, qui pourraient intéresser un grand nombre. C'est les solutions à mettre en place pour la prévention de toutes les maladies duotiques. Il y en a quand même beaucoup. Euh, bien entendu, euh, tout ce que vous dites, ben, quand on l'a compris, euh, on le met en place, il n'y a plus de problème, c'est-à-dire développement de l'immunité. Enfin, quand même. Euh, ensuite, par rapport également aux déjections canines et des chats au niveau de, du foin ou des céréales, car euh, certains ne sont pas assez précautionneux et ça génère quand même certaines pathologies. Et le gibier qui est croissant euh, dans les régions massives centrales, notamment euh, les cerfs et les chevreuils, qui amènent quand même pas mal de, de problèmes au niveau de la tuberculose ou autre. Mm. Alors Frédéric, on a un petit décalage et j'en suis désolé, mais euh, l'intervention du mois de juin, ce sera justement la gestion du pâturage. Il sera encore temps. Euh, et comment on fait euh, pour euh, gérer euh, les maladies euh, vectorielles, donc euh, liées et autres pathogènes au niveau de la de la prairie, ce qui permettra en même temps d'aborder le problème du parasitisme. Donc tout ça, alors vous connaissez par avance ma réponse, c'est immunité, immunité, mais j'expliquerai comment on peut justement, dans cette période un peu critique de pâturage, comment on fait pour la développer. Euh, Peut-être qu'on vous proposera, euh, pour ceux qui sont volontaires, de tester certains euh, des produits qu'on a qui sont des répulsifs vis-à-vis d'éthique, par exemple. Alors euh, faites-vous, euh, manifestez-vous si vous voulez participer à, cette, euh, à, 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 cette, à cet essai grandeur nature que l'on va faire là ce printemps. Voilà. Euh, pour ce qui est également, oui tu as raison de le dire, la protection des stocks, c'est vrai que très souvent on le néglige, et pourtant Dieu sait que euh, ça entraîne quand même pas mal de, de pathologies, je pense par exemple à la toxoplasmose, euh, qui n'est quand même pas un mythe, en particulier chez les petits ruminants. Donc c'est promis, on abordera euh, ces sujets-là. Gilles euh, ouais, Oui Aline. Bonjour, c'est Aline. Donc, euh, je voudrais savoir, moi je ne me souviens plus très bien, <laughs> j'ai perdu un peu la mémoire, le CMT sur les brebis, comment je peux, je peux pratiquer Alors, euh, d'abord, essaye de te trouver l'outil qui est adapté, c'est-à-dire avec deux cupules et non pas quatre, parce que quatre, c'est comme c'est large, on est toujours un peu embarrassé avec ça. Mais normalement, euh, dans un magasin d'agro-fourniture, tu vas le trouver, surtout chez toi, où quand même on a quand même pas mal de brebis. Euh, deux, euh, tu leur demandes le réactif ouais. et euh, le réactif, euh, ce qui compte, c'est de mettre à part égale tout le temps, en gros, c'est 2 millilitres de lait et 2 millilitres de réactif euh, dans chacune des cupules. Et on voit qu'instantanément, euh, on va trouver quoi, la différence entre toi, tes deux demi manèles. Tu verras, il y en a une où on aura... Euh, pas de flocula, et l'autre, où ça va être même une prise en masse, avec ça va même coller sur le fond de, de, la, de la cupule, donc tu n'auras aucune difficulté à trouver. Ouais en fait, je, vais, je me posais la question, parce que je viens de regarder le résultat, j'ai l'autre ordi en même temps, et nous, oui. on est à 350 000, donc c'est pas trop craignant. J'avais oui. imaginé que c'était un gros chiffre. Et, et ben, attends, s'il te plaît, répète-le, combien Il y avait 350 000 cellules, là. Oui, ben, ah, écoute, c'est… C'est le paradis chez vous hein, parce que ouais, en, moyenne, le paradis, ouais. <laughs> en, en moyenne les, les bons sont à 650 000 de moyenne donc euh, c'est déjà les bons c'est l'objectif mais on a aujourd'hui certaines régions euh, de, dans les élevages intensifs de chèvres où on livre du lait à 4 millions tu vois donc euh, ah, si ouais. tu si tu es à 350 000, c'est fabuleux. Ouais. fabuleux. C'est pour ça que j'ai pris la journée. Enfin, c'est bien de faire des conférences, mais je pensais que j'étais très élevé. Puis quand je viens de vérifier là que tu as dit 750 000 tout à l'heure, je me suis dit, voilà, ouais, donc maintenant le CMT, ouais, ça m'inquiète un peu, moins, quoi. Voilà, oui, ouais. un peu et moins. Je pense que là, voilà. tu peux rester sereine, tout va bien. <laughs> très bien, merci. Oui, Gilles, Bonjour. je voudrais revenir. Pardon, je vais lui laisser la parole sinon. Oui, je voulais dire simplement, euh, donc tu as parlé euh, au niveau du, des solutions post- et pré-trempage, euh, et que l'humidité est vecteur de nombre de pathologies. Pour ce qui me concerne, j'utilise de la laine de bois, je m'en trouve très bien, et donc je travaille tout le temps avec du sec. Quoi. Voilà, ben écoute, euh, je, je l'avais fait euh, mentalement ce matin quand j'ai révisé, et j'ai oublié de vous le dire, la laine de bois est un bel outil, il faut apprendre à s'en servir, et c'est largement suffisant pour préparer la mamelle. Donc euh, il y a des régions entières, donc c'est la Franche-Comté qui a été leader dans ce modèle-là, mais maintenant ça se vulgarise et on peut trouver de la laine de bois partout en France. Quoi. Euh, je Par crois, contre, je crois... il, y a il y a plusieurs catégories, parce que euh, là j'en ai une qui est fine, ça va bien, mais il y en a où c'est presque des allumettes, quoi. Il faut faire attention, euh, oui. mais là on, oui. on, il y a des risques, c'est sûr. Bien sûr, tout à fait. fait. Euh, J'ai peut-être vu, euh, Brigitte, il me semble que non. tu avais une question bien. à poser euh, bonjour Gilles, bonjour à tous. Euh, une remarque et une question. On a utilisé ces derniers jours des films Am Last. Euh, donc la, la, premièrement la question, est-ce que tu as des huiles essentielles hormone-like dedans ou pas Théoriquement, non. Autrement dit, est-ce que euh, utiliser sans gants ça pose souci ou pas enfin, Moi je mets des gants, ouais. mais Thierry jamais. Ouais, ouais, mais, mais non, mais n'aie pas souci. peur, Thierry, il restera ouais. toujours. Et euh... Deuxième chose, il est ultra liquide et donc il est difficile à appliquer. J'ai le même souci que celui qu'on avait pris l'autre fois tu sais avec le pot et tu m'avais fait rajouter de l'argile mais là tel que c'est conditionné ben je vois pas comment je rajoute de l'argile dedans quoi. Bon écoute, c'est une bonne remarque ce que tu nous fais là parce que moi je l'ai pas vu depuis un certain temps. On va regarder parce qu'il faudrait qu'il ait la même consistance que le défi MAM First. Il euh, n'y a pas de raison. J'avais épaissi à l'argile, tu vois. Ah oui, non, non, mais il ne faut pas que vous ayez à bricoler. Normalement, il faut qu'il soit prêt à l'emploi et que vous ne perdiez pas de temps là-dessus. Donc, écoute, merci de faire part de cette remarque. Euh, les huiles essentielles ont quelquefois un peu de difficulté euh, pour qu'on puisse les utiliser correctement, d'autant plus qu'on met, nous, un point d'honneur à essayer de faire passer euh, tous nos produits à usage externe dans la case euh, éco-soins bio. C'est-à-dire que on s'impose des excipients euh, qu'on n'avait pas besoin de s'imposer habituellement, de façon à avoir euh, 90% de nos constituants qui soient naturels, et donc 15% en bio. Donc, euh, ça nous met un peu la pression, et il est possible qu'on ait un, un excipient qui peut-être s'avère bien quand on fabrique, et puis euh, euh, se relâche un peu après. Donc, merci beaucoup pour ce retour qui est important. Est-ce que oui, rien. Est -ce qu le de l'eau oui, eh ben, écoute, Brigitte, et si tu peux, tu regardes le numéro de l'eau et puis tu nous fais un retour pour que... Oui, je, je te mettrai ça par SMS, ça marche. Ouais. Voilà. On regardera euh, dans quelles conditions il a été fait, euh, parce que oui, oui il, faut pas, il faudrait que ce soit très stable. Normalement, euh, les produits que l'on vous propose sont euh, faits pour euh, avoir une stabilité de deux ans. Donc, euh, il y a un, un, petit, un petit hic là. Après, bah, vu le fait que tu as un petit, juste un tout petit opercule pour le sortir, il ne faut pas qu'il soit trop épais non plus. Je pense que ça doit être un peu la quadrature du cercle entre le, le contenant et le contenu. Et euh, peut-être qu'il faudrait agiter. Est-ce que c'est ce que tu as fait Oui, ah bien bah, sûr, euh... ça, je le fais tout le temps. Oui, ouais, bon. Alors, donc, euh, il y a bien un problème de consistance. D'accord, ok. Et oui, Alors, pour ta, pour ta gouverne personnelle, il y a pas mal de manuka dans celui-ci. Euh, c'est quelque chose qu'on okay. qu connaît dans ta, dans ta région. Tout à fait. Mmh. <laughs> oui, voilà. Okay. Et alors, euh, qu'est-ce que euh, là tu étais sur une mamite avec euh, quand tu l'as utilisée Ouais, c'est une mamite, euh, enfin aiguë quoi. Oui. Donc je ah, fais, Thierry. Un... Bonjour, Thierry. Oui, Bonjour Thierry. Bonjour. Résultat Bah ben là, le, bon le c'était quand même le quartier était resté, euh, comment dire, euh, dur et Dur, assez dur. Oui. Donc, de fait, j'ai mis la crème pendant une semaine et ça y est, le quartier est revenu. Il est normal, quasiment. Oui, oui. Et est le normal. Bon, j'ai pas le... fait le, le CMT. Il faudrait que je le fasse, mais ouais. euh, d'accord. Euh, C'est bien le... le quartier est bien, quoi. C'est ce qu'on a constaté, c'est que qu'on a vraiment une différence entre les deux crèmes. Hein. Pourtant, des crèmes, ça paraît banal. Mais la première, elle est pour éviter une hyper congestion en début de, de démarrage de mamie. Et la deuxième va vraiment chercher en profondeur des tissus. Et je pense que c'est la qualité d'une des huiles essentielles qui le fait pour aller vraiment nettoyer. Et ce que tu dis, c'est exactement ce qu'on constate. C'est-à-dire qu'un quartier qui était passé à la chronicité, qui était dur, eh bien, on arrive à le ramollir et faire revenir le lait à, une, à un aspect normal. Oui. D'autres questions. Bon, on est à peu près dans les temps. Euh, donc, ce que je vous rappelle, c'est que la prochaine fois, on parle tarissement et on parle préparation à la mise bas, et vous verrez que c'est pas si simple que ça. Hein. Ça va être un peu chaud le, le, le sujet. Voilà. Euh, merci pour tout. Merci pour votre participation. C'est bien quand euh, vous intervenez, euh, ça nous donne nous euh, un un écho un, très précieux sur le du, de ce qui se passe sur le terrain et ça je vous encourage à vraiment être là euh, et à suivre un peu ce qu'on fait en direct. Merci. Je, demanderai, puis, ça, je vais bien puis, avoir un avis de chez eux. Dis, pardon. <laughs> oui, en fait, j'avais une question. Est-ce que ah ben, j'ai vu que pour terminer, juste, j'ai vu qu'on pouvait aller revoir les conférences que je vais aller vérifier, voir tous les soirs, bien entendu. Non, je plaisante, mais combien de temps elles vont rester en accès ah, Je pense que c'est indéfini. Ah, oui, ah Sur le site. Euh, je, vous, je vais vous faire le, passer euh, euh, y Yvon qui va peut-être vous répondre. À bonjour, bonjour à tous. Oui Donc, les, les, les vidéos sont euh, en permanence sur euh, le site. Alors, puisque j'ai la parole, j'en profite aussi pour vous dire que. Euh, N'hésitez pas à nous envoyer euh, vos témoignages, c'est toujours très très important pour nous. Donc, euh, quelques lignes sur, euh, sur le site ou sur notre, euh, sur notre mail avec des photos, euh, c'est toujours important, euh, comme le disait Gilles, d'avoir des retours terrain. Et euh, pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez sur le site une page qui est dédiée aux agriculteurs. C'est-à-dire que vous pouvez euh, présenter votre exploitation, présenter ce que vous faites. Et c'est utile pour, pour mettre en avant euh, ben, l'image d'agriculteurs qui, qui travaillent différemment, notamment en technique alternative. Et pour certains, euh, on leur fait le, un relais, pour ceux qui font des ventes directes, par exemple, on leur fait un relais sur tous nos réseaux à travers ce, à travers ce site. Voilà, donc n'hésitez pas, cette page est faite pour vous. Merci et à dans un mois. Merci à tous. Bonne fin d'après-midi. Merci, Gilles. Oui, merci. Au